today, Abe. Sits in the back. Sits in the back. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Normalement, on est live. Bonjour. Si vous nous entendez, je viens que vous répondiez dans la zone de chat par un petit oui. Est-ce que vous me voyez? Super. On nous voit, Olivier. Olivier, tu peux activer ton micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Olivier. Bonjour, David. Bonjour à tous, bien heureux de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée. On vous attendait avec impatience. J'espère que vous êtes tous bronzés, reposés, masqués. Ce midi, on va donc parler avec Olivier des cartes mentales, du mind mapping, des cartes heuristiques. Alors, ça a plein de noms et Olivier va vous expliquer tout ça, vous en expliquer les usages. Vous avez d'ailleurs le plan qui est affiché à l'écran en partage normalement. Juste une petite présentation du Work Lab. Donc, on est un cabinet spécialisé dans les nouvelles façons de travailler, de travailler et plus spécifiquement dans le travail collaboratif. On propose donc des facilitations, animations de séminaires et d'ateliers, de la formation autour des méthodes qui permettent d'optimiser la gestion et l'animation de ces réunions. Et puis aussi tout un programme de e-learning dont on parlera d'ailleurs à la fin, puisqu'on a un e-learning dédié aux cartes mentales qu'on va vous proposer à la fin de ce webinaire, et on aura l'occasion de vous présenter l'interface et évidemment son contenu et tous les points qui y sont abordés. Et c'est Olivier qui est à l'écran qui a réalisé ce e-learning, donc c'est bien naturel que ce soit lui qui présente ce midi ce webinaire. On réservera donc 10 minutes à la fin pour présenter le contenu de ce e-learning, et puis on aura vraisemblablement, en tout cas on l'espère, assez de temps pour que vous puissiez nous poser toutes vos questions, et on aura grand plaisir à y répondre à la fin de ce webinaire. Olivier, je vais te laisser la parole, je vais couper mon micro, ma caméra, et puis je te laisse dérouler tout ce que tu as à dire. Merci David. Eh bien, c'est parti. Alors, merci à vous d'être présent ce midi. Moi, je m'appelle Olivier Dutel et je suis formateur en pratique visuelle. Alors, les pratiques visuelles, c'est essentiellement du mind mapping, bien entendu, ça en fait partie. Alors, je vais peut-être vous montrer ce visuel, mais j'ai un partage d'écran qui est toujours un peu délicat.
sur cet ordinateur. Voilà. Donc, les pratiques visuelles, il y en a plusieurs, vous en connaissez sûrement certaines. Alors, aujourd'hui, on est basé sur le mind mapping, en termes d'usage professionnel, bien sûr, orienté sur les usages professionnels. Mais on a également, on va trouver également toutes les notions de scribbling, sketchnoting, c'est-à-dire la prise de notes graphique, visuelle, pendant un temps collectif. On y trouve également la modélisation, c'est-à-dire la modélisation de processus ou de projets, de manière visuelle et graphique pour un meilleur engagement. Toute la notion de facilitation de temps collectif basée sur le visuel qui permettent de bien engager son audience. Et puis, bien sûr, pour certains d'entre vous, connaissez peut-être le management visuel. Voilà, moi, je donne des formations sur tous ces domaines-là. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est les pratiques visuelles du mind mapping. Je vais revenir sur mon écran. Voilà. La représentation visuelle en mind mapping, elle est un petit peu différente des autres pratiques visuelles parce qu'elle a une particularité, c'est que c'est une forme arborescente de représentation. Alors, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Ça sert essentiellement, on va en parler tout de suite, ça a ses avantages. Donc, je vais vous repartager cet écran-là pour que vous puissiez le voir. Hop. Alors, ça nous sert, alors c'est pas forcément dans cet ordre-là, mais bien sûr, on l'utilise énormément le mind mapping en réunion, en fait, plutôt sur les temps collectifs au sens plus large, on va dire. Voilà, ça nous sert à dynamiser ces réunions et ces temps collectifs en vidéo projetant les échanges, les dialogues qui ont lieu. Ça sert également à piloter, manager ces projets, alors que ce soit là, de manière très opérationnelle, on va peut-être avoir un petit peu de temps pour en discuter, en tout cas on le développe vraiment dans la partie e-learning, mais je vous en parlerai un petit mot tout à l'heure, j'en toucherai un mot. Manager, piloter ses projets, parce que dans management et dans pilotage, dans management surtout, il y a de l'humain, il y a aussi des temps collectifs, il y a aussi des temps d'échange, de décision, etc. On va voir que le mind mapping nous aide beaucoup sur ces phases-là de projet. Et puis, bien sûr, et ça on n'y pense pas toujours, mais ça facilite l'organisation, qu'elle soit tant personnelle que collective. Alors moi je dis toujours que l'utilisation des cartes mentales en collectif, c'est sûrement 10 fois plus puissant, enfin je dis 10, c'est peut-être 20, peut-être, moi je ne sais pas, mais en tout cas c'est beaucoup plus puissant que l'utilisation uniquement personnelle. Dès qu'on arrive à utiliser les cartes mentales, un peu comme une grammaire, en quelque sorte, dans une équipe, un vocabulaire commun, on arrive à des résultats très puissants en termes d'organisation du travail. Bien sûr, ça renforce évidemment l'impact des présentations parce qu'on l'utilise à bon escient comme un autre moyen de présenter, de présenter des contenus à un public, à une audience. Voilà. Et puis, alors, il y a un usage un petit peu moins connu qui nous aide à rédiger, alors que ce soit des contrats, des contenus un petit peu compliqués, en tout cas, à présenter ou à même se représenter mentalement. Et on va voir qu'en fait, on oppose formellement la forme carte mentale, mind mapping, avec les formes linéaires que nous connaissons, telles que les PowerPoint et autres documents. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est une très bonne manière de partager l'information. Et on va voir pourquoi. Je vais retourner sur mon petit écran et après, je crois qu'on ne va pas trop en bouger. Hop. Voilà. Donc, voilà pour les bénéfices, en fait, en tout cas, les usages qu'on va explorer un petit peu pendant ce webinaire. Alors, c'est une méthode de travail innovante. Alors, maintenant, on ne peut plus l'appeler vraiment innovante. Ça fait un petit peu une vingtaine d'années quand même qu'on se bagarre pour essayer de proposer le mind mapping dans les organisations pour des raisons d'efficacité et vous l'avez compris par rapport aux usages, les bénéfices que ça apporte au collectif, notamment aux équipes. Mais en fait, comme toutes les pratiques visuelles, j'ai retenu trois grands mots-clés qui pourraient presque qualifier les autres pratiques visuelles que j'ai évoquées avec vous tout à l'heure, notamment la représentation graphique, le scribbling, on l'a vu tout à l'heure, ou la modélisation. C'est que la première raison d'exister de ce type d'outil, c'est de structurer l'information. De la structurer de manière à provoquer des sortes de représentations mentales, à voir sur le même plan l'ensemble du sujet. Par exemple,
Ici, j'ai une carte mentale. Alors, voilà, ça, c'est une représentation typique d'une carte mentale, sous forme arborescente et sous forme d'une étoile de mer. Voilà. Donc, on commence par ce sujet-là. Ensuite, on a un deuxième sujet principal, un troisième, etc. Et à l'intérieur, on va trouver des sous-sujets et encore des sous-sujets. Enfin, on va pouvoir avoir une arborescence tout en gardant du bon sens pour que ces cartes soient encore lisibles par tout le monde, bien entendu. Le principe d'une carte mentale, c'est qu'on a un sujet central et un seul. Sinon, ça ne s'appelle pas carte mentale, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Mais la carte mentale, il y a un seul sujet central. Avec autour, vous l'avez, des sujets principaux. Et autour de ces sujets principaux, on va trouver des sujets secondaires qui peuvent eux-mêmes se subdiviser en sous-sujets. Voilà. Bien, on a donc le principe. Dans le sens de lecture, il y a une seule règle, c'est qu'on commence toujours par le sujet qui est en haut à droite de notre sujet central. Et on descend dans le sens des aiguilles d'une montre, en tout cas dans nos pays occidentaux. Après, on va trouver plein de bonnes pratiques pour réaliser des belles cartes mentales efficaces. Mais ça, j'en parle aussi dans l'e-learnings, j'ai appelé ça les 10 commandements du mind mapping, qui sont des bonnes pratiques pour réaliser des cartes efficaces et qui correspondent en fait à l'attente de notre audience. Donc voilà pour la présentation succincte de la forme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, méthode de travail innovante, structuration. Alors, on a tout sur le même plan. C'est ça l'intérêt d'une carte mentale, c'est que sur le même plan, vous allez représenter votre processus, votre projet, le déplacement à un salon que vous allez organiser, une carte d'organisation personnelle, collective, de l'équipe ou autre. Et vous allez avoir tout sur le même écran, y compris, vous allez voir, les fichiers, les dossiers, les images, les tableaux Excel, tous les documents vont se retrouver dans une sorte de boîte à outils structuré, synthétique, sur le même plan. Mais vous ne perdez pas pour autant le détail le plus subtil, vous avez compris, afficher le tableau, afficher le fichier Excel, afficher une image, lancer une vidéo, etc., qui vont se retrouver au sein de la carte mentale. Alors oui, l'idée de la carte mentale, c'est de créer ces représentations mentales en utilisant notamment, on va le voir, des couleurs, en utilisant des pictogrammes, en utilisant des images, et faire fonctionner ainsi toutes les parties de notre cerveau. On dit que ça aide aussi à ancrer nos émotions, parce que oui, effectivement, les couleurs vont nous permettre de repérer immédiatement, de manière presque émotionnelle, ce qui va ensemble. Bleu, c'est telle salle, vert, ça va être telle équipe, etc. On va le voir visuellement, immédiatement, à l'écran, de manière très synthétique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout de chacune des branches, on ne perd pas pour autant le détail, c'est-à-dire on n'enlève pas la complexité quand il y en a, on facilite la compréhension de cette complexité. Des images, des vidéos, des notes, on verra tout à l'heure les notes, c'est le contenu rédactionnel que l'on met au bout des branches pour en dire un peu plus, ou au contraire pour avoir un vrai déroulé complet avec du contenu rédactionnel intégré. Des liens vers des fichiers, n'importe quel type de fichier, des liens web, bien entendu, quel qu'il soit, des liens vers un fichier Drive, par exemple, c'est un lien web, ou des fichiers au sein de votre intranet, des dossiers également au sein de votre intranet. Voilà, quelques éléments Outlook, pour ceux qui utilisent Outlook, on peut intégrer ces éléments-là directement dans une carte mentale. Et puis, vous l'avez compris, n'importe quel type de document, PDF ou autre, peuvent s'intégrer à l'intérieur. Et tout ça de manière très visuelle. Voilà, l'idée, vous avez bien compris, c'est bien de catégoriser, de relier, de mettre en avant ce qui est important, de pouvoir relier les choses entre elles, ce qu'on ne peut pas faire, ou beaucoup plus difficilement, avec une lecture linéaire que l'on peut avoir d'un PowerPoint ou d'autres types de fichiers de ce type-là, ou de représentation, en tout cas, de ce type. Donc, c'est bien cette idée de représenter un seul plan et d'avoir du détail en même temps, en zoomant sur la partie qui m'intéresse le plus. Alors, bien sûr, oui, c'est la synthèse. L'idée, c'est d'avoir une vision globale et de proposer une vision de synthèse. Et ça, c'est sûrement l'exercice le plus intéressant quand on fait une carte mentale, c'est-à-dire savoir où aller chercher les éléments les plus essentiels, la substantifique moelle, je dirais, de ce que nous avons représenté, que ce soit la réunion, le projet, le processus, peu importe, voir le représenter d'une manière synthétique. Donc, on le structure et on va le présenter de manière synthétique avec des mots-clés dans les grandes branches, voilà, les sujets principaux ici. Ce qui n'empêche pas, une fois de plus, par la suite, d'avoir des détails quand on a besoin de détails, parce qu'on en a besoin tous. Et proposer cette vision de synthèse, ça permet de mieux appréhender son projet, certainement. Et alors, pourquoi on fait ça? Eh bien, on le fait pour toutes les autres raisons d'utiliser du visuel dans notre organisation au quotidien.
C'est, alors j'appelle ça pédagogie, c'est l'idée d'engager son audience, d'engager son public, de manière à, voilà, l'idée de partager l'information, de la rendre accessible à tous, qu'on donne envie à son public d'aller creuser, de mieux comprendre le sujet. Donc ça facilite l'accès, très certainement, la compréhension, oui, parce qu'une fois de plus, on n'enlève pas les complexités qui existent, et ça permet d'engager plus facilement. Si j'étais consultant, je dirais, les cartes mentales nous permettent de transformer de l'information en connaissance utile, voilà, parce qu'on l'a structurée et on l'a synthétisée. Et puis, l'idée des processus communs, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop revenir sur le sujet. Le processus commun, c'est presque du team building, j'allais dire. Quand on prend l'habitude d'utiliser la carte mentale comme représentation principale de ses dossiers dans une équipe, on a tout gagné. Voilà, en deux mots, ce qu'on peut dire également là-dessus, c'est que les études qui ont été réalisées dans les 15 dernières années sur les utilisateurs de cartes mentales dans les organisations, voilà, entreprise, organisation, j'utilise organisation comme terme, gagnent 4 à 6 heures par semaine par rapport à pas de carte mentale. Alors, à titre individuel, je peux dire que oui, moi je veux bien lui prendre les 4 à 6 heures par semaine, en tout cas en termes d'efficacité dans son travail personnel et puis de pédagogie dans son travail collectif, il n'y a pas faute. Donc voilà, là, il faut prendre sa parole ou il faut l'essayer. Très bien. Vous avez remarqué que j'ai utilisé plusieurs terminologies, en tout cas différentes. J'ai utilisé le terme mind mapping. Alors, mind mapping, c'est le terme d'origine qui avait été, j'allais dire, proposé par les mappeurs modernes, en fait, modernes, des années 70, hein. C'est plus tellement moderne, qui étaient les frères Tony et Barry Buzan, B-U-Z-A-N, qui ont écrit un bouquin, alors, dont je vous déconseille la lecture informellement quand même, c'est une sorte de pavé un peu comme ça, qui s'appelle Mind Map, dessine-moi l'intelligence. Carrément, et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc c'était effectivement dessiné à la main, ce qui reste une très très bonne pratique, d'ailleurs, de prise de notes, on n'en parlera pas dans ce webinaire, on en parle, il y a un chapitre dans le webinaire dans l'e-learning, sur la prise de notes à la main. Bien, mind map, terme d'origine, une traduction française qui est proposée par nos amis québécois, la carte mentale, qui me semble être une bonne traduction en français. On dit aussi carte heuristique, ok, heuristique, eureka, solution, ok, schéma heuristique, alors ça c'est un peu classe quand même quand on est en soirée, moi je trouve, schéma heuristique, voilà, qui permet de structurer, synthétiser et présenter de manière pédagogique. On a une bonne définition des cartes mentales. Je vous propose de passer aux usages, de parler un petit peu des usages que nous allons... Alors, on ne va pas tous les voir. Ils y sont tous, il y en a même un peu plus dans l'e-learning dont on va parler tout à l'heure avec David. Il y en a quelques-uns, je vais vous en montrer quelques-uns pour que vous puissiez vous projeter un petit peu vous-même dans vos propres usages, en imaginant ce que vous pourriez en faire, vous, dans votre organisation. Donc là, justement, je vais lancer la première carte, qui est une carte d'organisation. Alors, c'est pas du tout la bonne, mais alors pas du tout, je ne sais pas du tout. Toc. Est-ce que tout le monde voit bien cet écran? Voilà, je pense que oui. Voilà. Alors, cette carte représente une carte d'équipe qui a été réalisée collectivement par cette équipe pour un déplacement qu'elle avait au salon Intranet et Travail Collaboratif. En 2010, c'était le premier salon du genre sur Paris. L'équipe était nantaise. Elle se déplaçait à Paris pour participer à ce salon, pour présenter une solution de réseau social d'entreprise, peu importe. Donc, l'équipe elle-même a constitué cette carte, contexte, logistique, en classifiant, en structurant les différents points qu'elle avait à aborder pour l'organisation de ce salon. Et on va le voir un petit peu dans le détail, dans la partie logistique, qu'on va y trouver. Ce qu'il faut retenir de cette carte-là, en tout cas, c'est que cette carte, c'est un fichier dans l'intranet, et un seul fichier, et tous les documents afférents à ce déplacement salon intranet et travail se trouve à l'intérieur de la carte. C'est une sorte de boîte à outils, un petit peu, de hub central. Il n'y a pas d'autres fichiers ailleurs dans l'intranet. Tout est là, à l'intérieur de la carte. Les contrats, les PDF, peu importe, tout y est. Je vous propose d'aller voir un petit peu la branche qui concerne la logistique. Donc, ils avaient mis un numéro de stand, ils ont mis un petit détail sur le départ en voiture, voilà, etc., avec même un petit drapeau. Alors, dans l'équipe, ce drapeau-là, il avait trois couleurs. Le drapeau vert signifiait
Ok, c'est bon, ça baigne. Le drapeau orange, c'est chaud, c'est moyen, on a besoin peut-être d'un arbitrage, ou voilà. Et on avait un drapeau rouge pour signifier le danger, la tâche était en danger, il y avait une difficulté vraiment réelle sur le sujet. Et ces trois drapeaux, souvent, ils suffisent dans un reporting comme ça d'équipe pour faire le focus à un moment donné sur ce qui va et ce qui ne va pas. Les points d'attention, en tout cas. Ensuite, on va trouver d'autres petites icônes comme celle-ci. Ça, ce sont des icônes qu'on appelle icônes marqueurs. Ces marqueurs-là, en fait, rajoutent une information sur l'information, ce qu'on appelle ça une métadonnée, ça s'appelle métadonnée, qui permet de qualifier l'information. Donc là, on la qualifie ici en disant bah, c'est OK. Ici, on la qualifie en disant c'est une priorité numéro 2. Ce n'est pas forcément la priorité number 1, en tout cas à ce moment-là. Et puis, bien sûr, cette priorité, on peut la changer un petit peu quand on souhaite. Ici, on avait une partie sur le côté logistique de l'électricité d'Internet sur le stand, avec ici un email. Alors, plutôt que l'assistante, plutôt que de renvoyer le email à toute l'équipe, l'avait mis, intégré carrément dans la carte ici de ce sujet. Et avec tout le contenu était ici dans une note. Alors, les notes, on peut pour voir, ça ouvre un petit volet sur la droite. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense que vous le voyez. Et ce volet ici contient l'email en entier. Voilà, ça c'est typiquement c'est une note. Donc vous avez vu, ça peut contenir quand même pas mal de textes, d'images, de tableaux, de choses comme ça. C'est un mini éditeur. Et puis on avait ici l'idée de commander en fait auprès de Viparis, qui est l'organisateur, avec un lien web. Et en cliquant ce lien, je me rends directement sur le bon de commande en ligne de l'organisateur. Ici, vous remarquerez sur cette branche ici, plutôt que de mettre agenda, planning, etc., là, ils avaient choisi de mettre juste une image, un picto qui représente le planning. Et effectivement, en cliquant sur cette pièce jointe, donc la pièce jointe, c'est-à-dire qu'elle est le planning ici, qui est la PDF, a été intégré directement au sein de la carte. Et c'est vrai pour tous les autres fichiers. Ce qui fait que cette carte, je peux la promener d'une personne à l'autre, tout le monde sera en capacité d'ouvrir ce fichier puisqu'il a été mis en pièce jointe. Voilà, vous avez compris, horaires exposants, assurance matérielle, etc. Tout fonctionne un petit peu de la même manière. Donc, ce qu'on va retenir de ça, c'est qu'on a un fichier qui contient de manière structurée toutes les informations concernant cet événement. Et donc, imaginez, pouvez-vous vous projeter en disant, bah voilà, cette carte, c'est la carte de notre équipe pour notre prochain déménagement ou pour l'organisation de notre prochain séminaire, que sais-je. N'importe quoi, de carte d'organisation. Voilà, une seule carte pour tout. Voilà. Bien. Je vous présente également une carte de réunion. Alors, la carte de réunion, alors ça, c'est plutôt presque un relevé de bonne pratique, j'allais dire. J'en profite pour distiller un petit peu mon venin autour des crottes de la réunion. Alors, on pourrait mettre ici, effectivement, le titre de la réunion, la date, voilà, je ne sais pas, comité. Le pilotage, tel projet, telle date. Voilà. Ici, on va indiquer les objectifs. Alors, évidemment, les objectifs, il faut qu'ils soient indiqués en premier. Ça me paraît évident. Sinon, bah, c'est la seule manière de ne pas les atteindre, c'est effectivement de ne pas les définir. Donc, à quoi sert cette réunion? Des verbes d'action, décider de, arbitrer de, discuter. Très bien. Les participants. Alors, les participants, c'est intéressant. Pas tant pour les coordonnées des participants, bon, c'est toujours bien de les avoir, c'est sûr. Mais surtout sur le niveau de contribution attendu par chacun des participants. Parce que ça peut éviter effectivement de venir participer à une réunion qui dure 2 heures ou 3 heures, alors que vous, votre intervention nécessaire est de 10 minutes à 15 minutes ou une demi-heure. Vous pouvez gagner le temps à côté. Donc, c'est toujours bien de demander, OK, quel est mon apport sur cette réunion? Qu'est-ce que vous attendez de moi dans cette réunion? Et c'est bien de le préciser dans ces attendus de participants. Et puis, bon, bien sûr, vous avez autour de cette carte qui est vidéo projetée, je vous rappelle, pendant la réunion, les documents ressources qui sont à utiliser pendant la réunion ou avant la réunion, un petit article autour de l'organisation et la logistique, et puis une boîte à idées, parce qu'on va dans l'ordre du jour, on va avoir des sujets qui vont être traités. En revanche, pour ne pas perdre l'expression des participants, on peut les mettre dans la boîte à idées pour un prochain ordre du jour et ne pas les perdre. Donc, moi, je mets toujours une petite boîte à idées. Pour l'ordre du jour, on va aller un petit peu le détailler. Voilà, on a déterminé que sur le thème 1, bah, on a dépassé 10 minutes. Donc là, j'ai une donnée supplémentaire qui est qualifiée, c'est une étiquette, une priorité.
Le thème 2, pareil, grosse priorité, et on a 20 minutes. Bon, après, il y a plein de techniques pour allonger ce temps, diminuer, l'adapter, voilà, en fonction des besoins des participants. On a un thème 3, un thème 4. Et ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure de ma réunion, je vais pouvoir, pour chacun des sujets, ouvrir une petite note à côté et pouvoir préciser dans cette note, ici, je peux écrire du texte autant que je veux, préciser un certain nombre de décisions qui sont prises, enfin prendre note en tout cas de ce qui est discuté autour de ce sujet. Et cette note, elle sera disponible à tout instant ici, y compris à l'impression. Et puis, on a également des informations qui sont très intéressantes, qu'on peut ajouter à n'importe quel sujet, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la partie projet, c'est qu'on peut rajouter effectivement des dates de début, des dates de fin, des durées, et de qui s'en occupe. Du coup, le qui fait quoi et quand peut être directement intégré dans la carte. Et je vous rappelle que cette carte est destinée à être projetée avec l'équipe avec qui on est en réunion, voilà, ou sur un temps collectif, ça peut être aussi un atelier où on prend en note l'expression des participants, le dialogue qui a lieu, de manière toujours pareil, structurée et synthétique. Voilà pour la réunion. C'est un des moyens les plus simples, des usages, les plus simples à mettre en œuvre, parce qu'on peut le faire d'une sorte de zone de confort avec son équipe, de manière très visuelle, pouvoir passer, revenir d'un sujet à un autre très facilement sans avoir besoin de parcourir des pages de contenu. Et puis surtout, moi je prétends que ce type de carte, ça peut servir avant la réunion, vous avez bien compris, parce qu'on va y retrouver les documents, etc., etc. Les participants, voilà, l'ordre du jour, donc ça peut être envoyé aux participants avant la réunion. Ça sert bien sûr pendant la réunion, hein, pour l'animer, vous avez compris, avec l'ordre du jour. Et puis ça sert à la fin de la réunion, parce que j'ai pas besoin de réécrire un compte-rendu que personne ne va lire. Je vous rappelle qu'il y a des compte-rendus en PDF de nos jours. Un compte-rendu visuel et synthétique qui peut être envoyé aux participants de la réunion ou aux non-participants comme compte-rendu des contenus qui ont été échangés. Voilà, voilà pour la réunion. Il y aurait plein d'autres choses à dire. C'est un sujet passionnant et je le développe dans l'e-learning. Voilà, on en dit un petit peu plus autour de la réunion et des pratiques de projection et d'intervention pendant la réunion. Voilà, on peut également l'utiliser comme aide à la rédaction. Alors, aide à la rédaction, en réalité, ça me permet, je ne vais pas forcément vous montrer non plus tous les contenus, vous les trouverez dans l'e-learning facilement. La rédaction, ça me permet de rédiger simplement une carte de manière très simple. Ici, là, il s'agit de modules de formation, c'était pour l'office de tourisme de l'île Maurice, c'est mieux qu'à l'Axcam, enfin bon, bien pour tous les goûts. L'agence avait déjà publié un premier module, qui est une sorte de module pilote sur les généralités. Ce module d'e-learning était à destination de tous les agents de voyage de France et de Navarre. Voilà, et l'agence avait proposé de réaliser donc trois autres modules, île Maurice côté mer, côté nature, culture et tradition. Et côté mer, comme d'ailleurs côté nature ou côté tradition, on va retrouver une sorte de structure, en fait, voilà, qui avait été définie avec l'office de tourisme, les points forts, les immanquables, les activités, les questions pratiques. Et à chaque fois, l'agence intégrait, dans une note, hein, vous avez vu ici, une petite note, intégrait les points forts, la diversité des paysages, voilà, des contenus, etc. Et ces contenus, ils n'étaient pas inventés par l'agence, ce n'est pas leur métier. Ils étaient intégrés par des, ils étaient envoyés d'abord par des guides de voyage, par des agences de voyage spécialisées, des blogueurs spécialisés, etc., qui communiquaient à l'agence l'ensemble des contenus. Et les contenus étaient ensuite intégrés très rapidement, très facilement, d'un côté à l'autre, sans avoir à défiler les 40 pages ou les 50 pages pour représenter le contenu. L'idée, c'était ensuite de proposer ce contenu à l'office de tourisme pour voir si ça fonctionnait, ce qui avait besoin d'être communiqué. Eh bien, pour faire ça, je ne vais pas vous le montrer ici, vous le découvrirez dans l'e-learning sans problème. Pour faire ça, on exporte tout simplement ce contenu au format Word et on transforme en quelques secondes cette carte mentale qui nous a aidé à rédiger assez rapidement en passant d'un sujet à l'autre très rapidement, transformer cette carte mentale en document Word avec une image, un sommaire avec le contenu complètement détaillé et mis en forme, grand 1, petit 1, petit 2, etc. Et donc, on livre
un document final, linéaire cette fois-ci, ça s'oppose bien à la carte mentale, linéaire, et qui peut être transformé en PDF facilement. Autre exemple qui me vient en tête, on peut très, à bon escient utiliser la carte mentale pour aider à la rédaction de contrats, par exemple, ce genre de choses, vous imaginez, avec une sorte de structure fixe où vous avez à l'intérieur toute l'articulation des articles du contrat, les termes du contrat, voilà, qui sont standards. On pourrait très bien imaginer ça, article 1, article 2, etc., avec les grandes thématiques. Donc tout ce qui est standard. Vous avez compris qu'en mettant les contenus dans des notes et en imprimant cela au format Word, vous générez un fichier linéaire au format Word ou PDF, peu importe, pour sortir le contenu. L'intérêt, c'est que on peut utiliser ce contrat avec une vision très, très globale, synthétique une fois de plus, de l'ensemble des points du contrat, et venir y ajouter, y intégrer de nouveaux contenus à l'intérieur. Par exemple, on peut demander à quelqu'un de rédiger un contenu, le déplacer à l'intérieur du contrat très facilement, sans avoir à se prendre la tête dans les 50 ou 60 pages du contrat, où ça devient vite infernal. Donc c'est une vraie aide à la rédaction, voilà, et on peut également s'en servir en tant qu'aide à la rédaction pour tout simplement faire une prise de brief, une prise d'éléments avec un client, un partenaire, son équipe, voilà, de manière très simple à l'écran, et voilà. Alors oui, effectivement, simple parce que à chaque fois, enfin, je peux vous le faire ici, je peux vous montrer, je peux déplacer un élément aussi facilement que ça, en le prenant et en le déplaçant, je peux changer la structure très facilement de ma carte mentale. Ça, c'est un des gros points forts de l'utilisation de carte mentale, c'est que on peut très facilement changer la structure pour changer un petit peu son point de vue sur un sujet. Ce qui fait que ça me fait penser qu'on est en conception, que ce soit seul ou à plusieurs, on n'a pas besoin de se prendre la tête à d'abord structurer. On se concentre sur l'essentiel, le contenu, qu'on peut balancer les idées comme elles nous viennent un petit peu. Et ensuite, on a cette phase de mise en forme, de structuration. Ça, ça va avec ça, ça c'est relié, ça, ça va ensemble. Voilà. Donc, oui, dans ce sens, c'est une aide à la rédaction, mais aussi à la conception. Voilà. Je ne sais pas du tout où on en est sur le timing. Je pense que David, à un moment donné, m'arrêtera de toute façon. Donc, c'est tranquille, on est large. Ah, c'est bien, je ne me presse pas alors. Bien. Autre usage que je peux vous présenter, c'est la formation. Alors la formation, là c'est un gros sujet, la formation, parce qu'en fait, on a de très gros contenus, très vastes. Et ces contenus sont tellement vastes, là il y avait 3 jours total de formation, enfin 2 jours au complet, et une journée spécifique d'atelier de mise en situation. Donc on va ignorer cette journée-là, mais toute cette partie-là représente... représente 2 jours de formation. Ça, c'est une formation qui avait été faite pour des conseillers industrie et services dans une chambre de commerce et d'industrie. OK. Une formation, c'est assez simple, finalement, à modéliser sous forme de carte mentale, parce que la structure même d'une formation, elle est déjà construite comme une carte mentale. C'est-à-dire, on a notre sujet principal. Voilà, là, on parle de l'entreprise collaborative. OK. Et ce sujet-là, il est subdivisé en grands chapitres, qu'on appelle les unités d'enseignement. Là, on va les retrouver. Concept et enjeux, usage professionnel, voilà, le web de pro, community management. Voilà, grandes unités d'enseignement. Et chacune des unités d'enseignement est subdivisée en séquences. Moi, je vais cliquer sur cette carte-là. Voilà, et j'ouvre, vous nous faites une nouvelle carte. En réalité, c'est un lien que j'ai cliqué. Comme tout à l'heure, j'ai pu cliquer une photo, j'ai cliqué une vidéo, j'ai pu cliquer PDF. Bon, quand même, vous avez compris. Là, c'est un lien, et c'est un lien vers une autre carte. Donc, on pourrait considérer que c'est une carte fille de la première carte. Et là, j'arrive sur mon unité d'enseignement qui s'appelle Concept et Enjeux, qui lui-même est subdivisé en séquences. Voilà. Et chaque séquence, voilà, c'est une grosse carte, est subdivisée elle-même en activités. Je sais pas, lire un document, lancer une vidéo, réaliser un exercice avec un lien, etc., etc. Voilà. Donc, le sujet, les unités d'enseignement, les séquences et les activités. C'est de manière arborescente, c'est déjà conçu comme ça. Donc je ne me prends pas la tête pour faire une conception, c'est déjà structuré comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a des gros contenus, c'est intéressant de faire des sous-cartes, voilà, et de pouvoir naviguer à l'intérieur de ces sous-cartes, ces cartes filles. Là ici, par exemple, je vais revenir à ma carte mère, voilà, et je vais aller pouvoir attaquer ensuite
ce sujet-là, le deuxième sujet, en ouvrant une carte fille spécifique à ce sujet. C'est ce qui fait que j'arrive à avoir des cartes qui sont relativement light en termes de contenu, parce que si je mettais tout ça, je vais revenir à ma carte principale, si je mettais tout ce contenu sur une seule carte, la carte serait tellement grosse, tellement imposante, tellement large, tellement qu'à l'écran, on perd tout. On perd la structure, du coup, on la voit plus. On perd la synthèse. Alors, pour le coup, oui, on perd la pédagogie et l'engagement de son auditoire. Donc, l'idée générale, c'est de garder des cartes assez compactes en termes de contenu. Et ça, c'est une manière de faire. C'est de subdiviser ces gros contenus en plein de petites cartes en dessous, enfin, autant qu'on a, dont on a besoin, de manière à alléger chacune des cartes en termes de contenu. En règle générale, alors je vous le dis là, mais je le détaille évidemment par e-learning, mais en règle générale, on essaye de garder ici 6 à 7 sujets principaux, pas plus. Bon, sauf exception, voilà, allons se passer pour cette fois. Mais vraiment pas plus, on essaie de conserver cette structure pour une carte mentale, 6, 7 sujets, c'est un max. Si vous en avez 10, 20, vous avez un problème de structure, très clairement. Et puis, en termes de sous-sujets, ici, on a de niveaux, en fait, différents niveaux d'arborescence. Là, j'ai un premier niveau. Là, j'ai un deuxième niveau, avec des contenus, là, j'ai une image, etc., etc. Et puis, je peux avoir éventuellement un troisième niveau. Là, on est au maxi trois niveaux. Quatre, ça va être vraiment l'exception une fois de plus. Un niveau, deux niveaux, trois niveaux, ça fonctionne. Après, ce qu'on risque de faire, c'est de perdre la personne qui utilise la carte, qui la visionne. Et c'est pas du tout le but qu'on recherche, vous avez compris. Donc, garder des cartes light, une manière de faire, c'est donc de créer des cartes filles avec des petits liens de navigation. Carte mère, carte fille, carte mère, je reviens. En formation, comme en présentation, quand vous présentez des contenus, ça a l'avantage de ne pas perdre votre auditoire, de toujours le concentrer de manière synthétique sur le contenu que vous êtes en train de proposer. Toujours rappeler la structure. Et cette structure, elle s'impose visuellement à l'écran en permanence. Ce qui est super compliqué à faire si vous utilisez un PowerPoint, par exemple, ce qui est quand même assez classique, en tout cas un support linéaire, puisque à chaque instant, on se sent obligé de rappeler la structure, de rappeler le sommaire, etc., pour pouvoir se repérer dans le PowerPoint. Là, on n'a pas besoin de ça. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est super facile de passer d'un sujet à l'autre. Par exemple, je suis en train de parler de community management, je peux revenir très rapidement sur une question qui parle de concept, d'enjeu, et revenir sur un contenu très facilement, sans avoir besoin de redérouler tous mes slides. Je rappelle qu'à l'intérieur de chacune des branches, on peut mettre des images, des PDF, des bouts de vidéo, des contenus interactifs, des liens vers une capsule Klaxoon ou que sais-je, que les participants peuvent utiliser. Et ça permet de garder cette interactivité, de capter son public. Voilà pour les gros contenus. On a l'idée d'avoir des cartes mères, cartes filles, de subdiviser son contenu. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de projet. Une carte projet, alors ça c'est une carte projet complètement imaginaire. Hein. Trois grandes phases, là c'est un projet web, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, vous avez bien compris. Une phase de préparation, réalisation, implémentation. Alors je vais montrer jusqu'où on peut aller et ce que font les logiciels de mind mapping pour la plupart. En tout cas dans leur version professionnelle. Ça veut dire sous forme de licence, hein, vous avez compris. On va aller prendre le détail de ça, de cette phase-là, par exemple. Voilà. J'espère que vous voyez bien l'écran. Remarquerez que là, ici, il y a trois tâches qui ont été désignées pour cette phase de préparation. Et vous avez vu qu'il y a plein d'informations qui ont été rajoutées. Alors, des informations que vous avez déjà vues tout à l'heure, par exemple, ici, le descriptif fonctionnel, il y a une priorité, mais de toute façon, il est réalisé. Ici, c'est cette petite icône qu'on rajoute ici, me permet de donner le niveau de réalisation de la tâche, l'état d'avancement, pour être plus précis. Là, il a été réalisé. Par contre, design interface, il n'est pas avancé qu'à un quart, et ici, il a avancé à, d'ailleurs, je passe du 39%, c'est très précis. 39%. Du coup, il y a des petites icônes qui se mettent en, en,
on alerte immédiatement. Là, c'est alarme, alarme. Pourquoi? Parce que bah, ça aurait dû être fait le 10 février 2013, février 2020, et là, 16 mars 2020. Les tâches sont considérablement en retard. Voilà. On peut rajouter également des icônes comme les petits drapeaux, je vous ai montré tout à l'heure, ça peut rajouter. Et puis les informations de tâches elles-mêmes, voilà, 10 février au 13 février, 4 jours ouvriers, qui s'en occupe, la ressource. Alors la ressource, c'est pas forcément une ressource humaine, ça peut être la disponibilité d'une salle, d'une machine, voilà, que sais-je. On peut les indiquer, on peut en avoir plusieurs ressources pour la même tâche, et on peut bien sûr prioriser les tâches, ou les relier en tout cas avec des liens de subordination, les tâches qui doivent se terminer en même temps, commencer en même temps. Voilà. Ce genre de liens peuvent être bien sûr indiqués. Je vous passe les détails ici. Bien, voilà pour mes trois tâches. Vous voyez que visuellement, là je suis en vert, c'est OK, la tâche elle est dans les temps. Et là, tout ce qui n'est pas dans les temps passe en rouge. Effectivement, donc visuellement, ça c'est automatisé. Visuellement, je vois tout de suite les tâches où ça va pas. Ou là, en l'occurrence, je suis en retard. Et puis, ici, on a une sorte de récapitulatif de l'ensemble de ces tâches. C'est automatique également. Le nombre total de jours ouvrés que représente ça. Et puis l'état d'avancement général de la séquence. Ici, l'état d'avancement, il est à 60%. Entre ça, ça et ça. Voilà. Donc ça, c'est automatisé. Le gros intérêt de... Voilà. Je voudrais savoir si vous voyez toujours mon écran. Oui, c'est bon. Voilà. Je vérifiais parce que le partage d'écran n'est pas optimal. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité ici d'afficher un diagramme de Gantt. C'est-à-dire, du coup, quand vous avez rentré tous ces éléments dans votre carte, avec cette vision mappée, synthétique, tout le projet sur une seule carte, vous avez quand même la possibilité d'avoir une vision temporelle de votre sujet. Donc là, ici, je vais retrouver pour chacune de mes tâches, ici, les durées. Voilà, je peux même les faire varier ici. Voilà, les faire changer, là, je mets 15 jours, et ça va changer automatiquement dans la carte. Et tout ce que je change dans la carte se change dans le diagramme de Gantt, le diagramme temporel, et inversement, tout ce que je change dans le diagramme vient se changer dans la carte. J'ai deux visions, une vision temporelle, ligne de temps, et une vision mappée, qui peut être plus intéressante pour le pilotage de projet au quotidien. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui utilisent également d'autres outils du type Trello, voilà, pour les pilotages de tâches, ou Teams, enfin, peu importe. C'est intéressant parce que ici, on peut mettre le lien web, par exemple, plutôt que de piloter les tâches comme ça. Moi, perso, je le fais pas, hein. J'utilise plutôt Trello, voilà, on va dire, et Teams. Et du coup, plutôt que d'avoir tout ça ici, j'aurais juste un lien, peut-être, sur préparation. Là, si je pourrais avoir un lien vers mon tableau de tâches agile, où je vais avoir le suivi, le flux de mes tâches qui va être suivi de cette manière-là. Donc, c'est plutôt ma préférence. Ceci dit, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce diagramme de Gantt, ne serait-ce qu'en début de projet, peut-être, parce que ça permet de visualiser dans le temps si ça rentre déjà, avec toutes les contraintes que l'on a. Et on peut insérer des contraintes de disponibilité de temps sur les ressources, etc., etc., qui permettent tout de suite de faire un rétro-planning et de voir si on rentre dans les contraintes par rapport aux dates de livraison, notamment. Voilà. Donc, voilà pour les projets. J'en profite peut-être pour... Attendez, je vais fermer ça. J'en profiter pour... hop là. Je vais en profiter pour vous montrer une fonction qui me semble particulièrement intéressante ici à vous présenter. C'est la fonction de filtre que l'on trouve... à peu près dans tous les logiciels de mind mapping. Alors, je vais lancer un filtre multicritère. En fait, mon filtre, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais je vais vous expliquer. Dans filtre multicritère, ici, je vais trouver en fait toutes les ressources que je trouve dans ma carte. Je vais trouver toutes les icônes, là, les drapeaux, ce genre de choses-là, ou les couleurs même. Les couleurs sont filtrables. Ça veut dire que je peux. La couleur devient un élément fonctionnel de la carte, comme l'icône, vous voyez. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de voir, de distinguer déjà visuellement ce qui est d'une certaine couleur par rapport à ce qui est d'une autre couleur. Mais aussi, ça me permet de filtrer sur ces couleurs, donc d'utiliser comme un élément fonctionnel de ma carte. Moi, je voudrais voir tout ce qui est pour cette personne-là, là, OD, ici. Je vais demander à voir uniquement ces tâches-là. Et là, je vais afficher. Donc, ma carte est filtrée. Là. Vous voyez, je recule un petit peu. Et je ne vois que les tâches qui ont été attribuées à cette ressource OD.
voyez, ici, ici, ici et ici. Tout le reste a été caché. Il y a d'autres manières de faire, je pourrais les mettre en exergue. Enfin, bon, en tout cas, l'idée, c'est de proposer une autre vision en utilisant le filtre, le tri, hein, le filtre du tri, une autre vision en allant chercher que certains éléments. Même chose si je veux voir, par exemple, toutes les tâches qui sont à risque, par exemple, avec mon petit drapeau rouge. Alors, je pourrais faire toutes les tâches qui sont à risque pour telle ressource. Je pourrais également demander à avoir toutes les tâches qui commencent cette semaine ou qui doivent se terminer le mois prochain, etc. Tout ça, c'est possible. Je ne vous fais pas le détail. Mais... Voilà, ici, j'ai toutes les cartes qui ont été indiquées, toutes les pardon, tout ce qui a été... alors, c'est pas du tout ça, pardon. Filtre multicritère. Il faut que je décoche ça. Je vais demander que les tâches qui sont à risque. Voilà. Il n'y en a que deux, tout va bien. Deux tâches à risque, là où j'ai mis un petit drapeau rouge. Donc, vous voyez, ce filtre, il est vraiment très intéressant parce que ça vous permet, en utilisant les couleurs ou les étiquettes, c'est comme des icônes, mais texte, ou les icônes marqueurs, vous avez la possibilité de faire des filtres très pertinents pour n'afficher que certaines informations en fonction du besoin. Voilà, donc ça, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est vraiment très, très utile dans les cartes mentales de proposer ces visions-là de la carte, de filtrer en quelque sorte. Bien. Je vais relancer mon... Olivier. David, je t'écoute. Ouais, je te propose de passer à la présentation du e-learning parce que le temps tourne. J'en profite pour vous dire que je vais vous afficher en fait une offre disponible sur ce e-learning à 79 euros TTC que normalement ce e-learning coûte 199 euros à terme. Et donc Olivier va vous présenter le contenu puisque c'est monsieur qui a réalisé ce e-learning qui dure environ 1h30. Pour rappel, l'accès de nos e-learning sont illimités dans le temps. Donc quand vous achetez un accès, vous bénéficiez d'un accès à espace membre et vous avez ensuite accès à l'ensemble du contenu et ça de façon illimitée. Ouais, je te laisse, Olivier, présenter les différents modules, comment c'est structuré, à quoi ça ressemble. D'accord. Qu'on puisse voir concrètement qu'est-ce que ce e-learning. Tiens, je partage le bon écran cette fois. Voilà. Bien, alors ça, nous sommes sur l'écran d'accueil de. Alors ça, c'est mon compte. Voilà. J'ai un compte qui me permet de passer mes propres e-learning. C'est super quand même. Voilà. Donc j'ai pas mis très longtemps à le faire parce qu'en fait, comme je l'avais réalisé, vous avez compris. J'ai pas passé beaucoup de temps à regarder toutes les vidéos, je les avais déjà vérifiées avant. Voilà. Donc ce e-learning, il est voilà le sommaire un petit peu quand on arrive sur l'e-learning, il est composé de 5 grandes séquences, en fait. Unité d'enseignement, vous rappelez, tout à l'heure. Qu'on appelle module 1, ça s'appelle des modules, hein, tout simplement. Donc, j'ai déjà une petite vidéo de bienvenue où je présente l'e-learning. Je me présente moi, je présente l'e-learning. Voilà, bon, c'est rapide, ce qu'on va voir au sein de l'e-learning. Et puis, j'ai une bonne séquence après qui s'appelle découvrir le mind mapping. Voilà, et cette séquence, hop là. Toi, David, j'ai pas tout. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le petit bug en temps réel, pardon, je suis absolument navré. Je vais résoudre ouais. Ça. Voilà, vas-y. Tu me dis. Détaille les modules et puis je reviens. Voilà, voilà, super. De toute façon, je l'ai par ailleurs, donc je vais aller chercher sur mon bureau. Ok. C'est les joies du direct, David. Non, je ne l'ai pas ici. On vous demande quelques instants, juste le temps de résoudre. Tu me dis, David. Sur le dossier. Ouais. T'es sur le dossier, t'es sur l'affaire. Alors, je vais voir ici. Alors, le module 1, lui, bon, je vais vous en parler sans visuel pour l'instant. Le module 1, lui, c'est découvrir le mind mapping. Donc, le mind mapping, Kesako. Donc, il y a une partie de ce que je vous ai dit là qui est contenue dans ce module, évidemment. Mais on détaille vraiment ce côté-là parce que c'est très important. Pour la suite, de bien comprendre
pourquoi et comment ça marche. Ensuite, on a un deuxième module qui est plus complet, qui s'appelle « Découvrir les usages ». C'est un petit peu à l'instar de ce que je viens de faire là, assez rapidement. On va détailler les usages sur l'organisation, les réunions, la rédaction, les projets, mais aussi sur la partie tableau de bord, que ce soit un tableau de bord individuel ou les tableaux de bord d'équipe. La manière de créer des sortes de hubs centrales qui permettent de gérer toutes vos ressources en tant qu'équipe ou en tant qu'individu. Et puis, on a la partie, bien sûr, formation, présentation, dont je vous ai parlé, mais là, je le détaille un petit peu plus, effectivement, dans l'e-learning. Et en fait, dans la découverte des usages, en fait, moi aussi, je vous invite aussi à essayer d'explorer les vôtres, parce que il y en a quand même quelques-uns qui sont pas listés ici, forcément, et qu'on invente au quotidien. Parce que on pourrait très bien imaginer piloter ces entretiens, soit les entretiens individuels, les traditionnels entretiens individuels, comme les entretiens que l'on peut avoir avec un partenaire, un client, etc. Donc voilà, il y a plein d'usages qui peuvent être la veille, je pense à la veille en particulier, la structuration et la communication d'une veille technique, concurrentielle, commerciale, peu importe. Voilà. Le module 3, lui, s'axe sur les 10 commandements du mind mapping. Donc les 10 commandements, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on détaille cette partie-là, en quoi c'est important de, par exemple, d'illustrer les sujets principaux ou de limiter le nombre de branches et de sous-branches. Voilà. Et là, j'ai également un focus sur les cartes mentales dans ce module. Les cartes mentales manuelles. Et une autre séquence sur les outils. Parce que là, je vous ai montré qu'il y a un outil qui s'appelle Mind Manager. Mais il y a plein d'outils, y compris gratuits, comme Xmind, Iowa, etc. Enfin, il y en a une tripotée. Donc l'idée, c'est aussi de choisir le bon outil en fonction de son environnement professionnel et aussi des contraintes que l'on a, qu'elles soient financières, liées à votre système d'information ou autre. Voilà. Donc il y a plein d'outils pour répondre à ça. Moi, je ne suis pas focalisé sur l'un ou sur l'autre. Bien, et ensuite la séquence 4, voilà, c'est là on rentre vraiment dans le contenu avec un outil gratuit qui permet donc d'être installé gratuitement sur votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un PC. Et là on met les mains dans le moteur, voilà, puisqu'on rentre sur l'outil qui s'appelle Xmind. Qui permet d'acquérir les bases, d'intégrer des contenus, de savoir illustrer, marquer ses cartes, mettre des icônes, mettre des images, donc, et puis de faire une mise en forme attrayante, sympa, sexy, en fait, voilà, pour ces cartes mentales. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie, ce module 4, qui est assez technique, certes, mais qui vous permet de prendre en main réellement un logiciel de mind mapping, en gardant en tête tout ce qu'on a appris avant sur la manière de rendre ces cartes efficaces et agréables. Et puis, j'ai un module 5 pour terminer qui s'appelle « Bien démarrer », voilà, qui est bien démarrer, qui vous permet de prendre en compte, en fait, immédiatement les bonnes habitudes, voilà, de prendre les bons réflexes pour bien démarrer, que ce soit seul ou en collectif. Voilà pour le programme de ce learning et bien sûr, chacune des séquences dont je viens de vous parler sont agrémentés de contenus, de cartes, exemples et de contenus en dehors de la vidéo, bien sûr, et des contenus qui sont dans le learning. C'est des contenus complémentaires à télécharger. Merci Olivier. Voilà, David. Merci. Est-ce que je suis dans les temps là, c'est bon? Ouais, c'est bien. Il va nous rester 5 minutes pour répondre aux questions. Je rappelle que le e-learning est axé en offre promotionnelle à 79 TTC. Au lieu de 199, vous pouvez y accéder à cette offre en cliquant en haut de la zone de chat sur offre et vous allez pouvoir cliquer sur le lien et accéder au bon de commande. Olivier, il y avait beaucoup de questions sur les outils. Donc, sachant que toi, tu l'as dit, là, tu utilises My Manager, mais il y a plein d'autres outils. Est-ce que tu peux segmenter en fait un peu les outils qui existent, les outils du marché qui existent et leurs usages? Moi, j'ai répondu à une question d'une personne qui demandait comment on pouvait faire du mind mapping à distance et à plusieurs. Donc, j'ai proposé d'utiliser MindMaster. Mais il y a d'autres solutions qui sont aussi disponibles. Et en fonction de la complexité aussi des cartes qu'on veut faire, il y a peut-être des outils qui sont plus adaptés que les uns que les autres. Est-ce que, Olivier, tu peux nous raconter tout ça? Oui. Alors, j'ai un module pour ça, mais ce n'est pas grave. Je vais répondre aux questions. Eh bien, réponds. Ouais. Alors, en fait, moi j'utilise MindManager, c'est pas compliqué, c'est le plus cher en termes de licence de tous les logiciels.
il doit coûter à l'unité, hein, je parle à l'unité pour si moi je l'achète seul, ça coûte 418 euros, 400, enfin, dans ces eaux-là. C'est pas donné, mais ça les vaut tellement largement, c'est-à-dire en termes de gain de productivité, gain de temps, qu'il n'y a pas photo, quoi. J'hésite même pas une seconde. Mais quand on a 15, 20, 30 ou 40 puissances installées, c'est pas la même limonade, j'allais dire. Donc la question se pose. Le e-learning est basé sur Xmind, qui est très connu et très répandu, notamment on le retrouve très fréquemment dans les grands comptes, dans les bibliothèques de logiciels disponibles, parce qu'il a l'avantage de posséder une version gratuite de Xmind, alors qu'il ne va pas forcément très loin, notamment là où je trouve que ça manque un petit peu, c'est en termes de rendu, c'est-à-dire pouvoir produire une carte mentale qui soit exploitable par n'importe qui. Donc là, Xmind, on est un peu court. Avec Mind Manager, on produit des cartes de folie, quoi. C'est-à-dire, on produit des fichiers HTML avec des contenus à l'intérieur, des fichiers joints, etc. Donc, oui, Mind Manager est plus cher, mais c'est Mind Manager. Voilà. L'éditeur s'appelle Mindjet. J'ai pas d'action chez eux du tout. Voilà. C'est le plus répandu des logiciels de mind mapping parce que c'est le plus puissant et qu'il est totalement intégré à la suite Office. C'est un gros point pour moi. Et puis, surtout, ces exports complètement compatibles avec n'importe quel système dans le monde entier. Donc là, pour le coup, c'est un vrai plus. Et pour moi, ça, le côté export est vraiment très important. Donc là, oui, c'est très certainement le logiciel le plus répandu au monde. Xmind, il vient derrière parce qu'il a une version gratuite. Et puis parce que la version pro, payante donc, doit coûter moins de 100 euros. Enfin, c'est 89 euros, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est pas très cher. Ce qui permet de faire un déploiement lorsqu'on a besoin de déployer plus facilement. Puis ce qui permet d'être assez malin, de dire OK, mes équipes, elles n'ont peut-être pas besoin de toutes d'avoir une version pro. Donc je peux avoir une version pro au sein de chaque équipe, par exemple, et garder les versions gratuites pour les autres pour l'utiliser de manière assez classique. Pour les besoins de collaboration temps réel, David a bien répondu. C'est une bonne réponse, David. C'était MindMeister. Mind Meister. Ouais, c'est ça. Tu l'as écrit, j'espère, David. Parce que... Ouais, je l'ai écrit, ouais. Alors là, c'est un logiciel SaaS en ligne, bien sûr. Il y a une version gratuite de Mind Meister qui vous permet de faire tout, mais seulement sur 3 cartes. C'est un petit peu court. Et ensuite, une version payante par mois et par utilisateur. Voilà, donc ça, je le détaille dans l'e-learning. Et puis après, on le retrouve facilement sur le site de l'éditeur, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une licence Mind Meister. Je l'utilise assez peu, voilà. Après, je trouve que l'interface est plutôt cool, simple à utiliser, voilà, moi, je vous engage à aller voir, de toute façon, après, il faut trouver aussi les chaussures à son pied. Plutôt simple à utiliser, il y a des petites habitudes à prendre, mais voilà. Et ça le fait bien. C'est un abonnement, après, bon, voilà, et puis il faut avoir une connexion. L'intérêt, c'est qu'on peut collaborer en temps réel, un petit peu comme sur du Drive, ce genre de choses-là, c'est pour ceux qui sont habitués, et qu'on veut justement intégrer les cartes MindMeister dans Drive. Donc, c'est les seuls à être intégrés en tant que lien cliquable directement MindMeister. Ça, c'est plutôt cool aussi. Je l'aime bien. Après, la collaboration en temps réel, personnellement, je trouve que c'est souvent un peu... Le besoin est un peu surévalué, à mon avis. Voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir une carte... je parle en temps réel. Bon, moi, ça m'arrive très rarement, dans ma vie, de ma peur, de faire des cartes en temps réel. Mais bon, ça peut être un besoin, je le comprends, et quand on est à distance... c'est sympa. Et là, c'est vraiment la bonne réponse, je pense, MindMeister. Est-ce qu'il y a d'autres questions, David, que tu avais relevées, qui te semblaient intéressantes à discuter? Non, il n'y a pas d'autres questions. Le reste, tu as répondu avec la présentation que tu as faite. Ouais, j'avais vu une question sur l'impression. Ça correspond à une histoire de sortie. Effectivement, on peut imprimer au format PDF ou imprimer sur des. Alors, les cartes mentales, l'idée, c'est quand même d'imprimer sur du A3 au minimum. Voilà. Et ça, c'est très possible avec tous les logiciels de carte mentale. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il est 14h et je pense qu'il y a un bon nombre qui rend des réunions et peut-être des réunions à distance. Ce qui fait le lien d'ailleurs avec le prochain webinaire, le prochain live qu'on aura, qui sera consacré aux réunions à distance. On ira creuser le sujet. Et pour la petite info, vient de sortir en librairie le guide de survie aux réunions à distance qu'on a sorti il y a maintenant 3 jours, sorti un peu plus, presque une semaine, vendredi dernier. Donc, vous pouvez retrouver sur
la Fnac.com, comme Amazon, Librairie.com, le guide de survie aux réunions à distance, et on viendra certainement creuser quelques parties de cet ouvrage dans le prochain live, dont je n'ai pas encore la date, mais vous recevrez une invitation, comme on a l'habitude de le faire. Olivier, merci. Merci, merci à tous. Et puis, à bientôt.